écoute, ici Lopina pour un nouvel épisode de Deux Joueuses, une partie que je fais avec Elancia. Ouais, ouais, ouais. Sacha, je me demande ce qu'elle nous a encore concocté. La morue. Ok, ça fait même pas 30 secondes d'épisode et j'ai déjà sorti une insulte. Allez, ça commence bien. Ah d'accord, ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Oh. Ah mais elle a deux pyjamas, je crois. Alors, du coup... Comment va la famille? J'avais une idée. C'est... En fait, tous ces enfants me saoulent. Vous savez quoi? Je vais faire un truc de pute. Et je vais pas lui dire cette fois, puisque pour Max, je lui avais dit... Je vais pas lui dire, mais en gros, nos enfants adoptés, on va dire qu'on était une famille d'accueil. Et puis, bah, que du coup, les enfants... vont dans une autre famille d'accueil. Voilà. Parce que là, ça me saoule. On prend pas assez de temps pour nos persos. Il y a trop de monde. Et puis comme ça, on pourra refaire des bébés. Alors, caliente. Voilà. Et voilà. Et voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Allez, ça lui donne. Et non, on va faire venir Nancy. Enfin, on va faire venir Don. Oui, vous avez bien lu, on va faire venir Don. Et on va aussi faire venir la pupute Nancy. Nancy. Alors, où que c'est qu'elle est? Was it spring? Pleine aux as. Voilà, Nancy, viens. Hop! On va en finir une bonne fois pour toutes. Alors oui, dans mon dernier épisode, j'étais super sadique avec la pauvre Elancia. Il y a un chat. Moi, j'ai chien. Si, chacha. Ecstasy. Pardon. J'étais super sadique avec Elancia parce que j'étais persuadée qu'elle avait dragué Don. Alors que pas du tout. Chacha, c'est de la compote, ça. Je doute que tu aimes. Alors, ce qu'on va faire, du coup, c'est que... On va mettre... On va mettre tout ça. Tout ça dans le truc. Et puis, vous deux, vous allez venir là. Voilà. Hop. Et... non, je vais pas enlever la porte, juste la verrouiller. Tout le monde. Et voilà, comme ça, on s'occupe que de nous, de nos Simsets et de nos enfants qu'on a eu toutes les trois. Toutes les deux, toutes les trois. Ça s'arrange pas. Tu vas nous cuisiner un gâteau. Un gâteau en beurger. Et dis donc, ils vont super bien. Hein. Ouah, elle a géré. T'as géré, Elancia, bravo. Dites-moi en fait ce que vous pensez de la maison. Enfin, dites-nous plutôt. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais n'hésitez pas à le faire. Ou même si vous venez de débarquer sur la chaîne, n'hésitez pas à le refaire. Je précise que le concept ne vient de joueuse, de joueur une partie, ne vient pas de nous. Il vient de Yayo Sungard et de Jody Dreams. Donc, ne vous étonnez pas si vous le voyez ailleurs. On leur a demandé par ailleurs la permission. Bref. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire, toi? Tu dois pas faire des trucs pour ton boulot? Parcourir les informations. Bah voilà. Alors, va bosser, feignasse. Du coup, web peut-être. Parcourir les informations. Et vous, les sales mioches, vous avez fait vos devoirs? Est-ce que vous avez fait vos devoirs? Oh, mais Elancia, mais que t'est-il arrivé? Elancia? Ah, my God. Canes, Elancia, qu'a tout fait? Bah déjà, toi, tu vas venir ici. Oh bah à la limite, vous avez qu'à jouer. Voilà, jouer ensemble. Allez hop. Et plus vite que ça. Donc la petite Germaine et les jumeaux, Lucienne et Ferdinand, si je me souviens bien. Et de toute façon, on va faire grandir Germaine, parce qu'il est temps qu'elle grandisse. Et Elancia, quand on va voir Nancy Adon, elle va rien comprendre, la pauvre. Oh. Non, mais il faut bien que ça change un peu. Hein. Et franchement, 8 Sims, en fait, on fait que de la gestion, donc c'est pas intéressant. C'est aussi pour ça que j'ai enlevé les enfants, donc m'en voulez pas. Hein. Tu les mets?
D'accord, fais tout le tour. Ok, allez, c'est bon, arrête de jouer et viens souffler les bougies. Toi, viens ici. Oh, viens ici, j'ai dit. Attends, j'ai pas. C'est bon, ouf, j'ai cru que j'avais mis Lucienne, ça l'aurait pas fait. Allez, souffle. Oui! Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? J'ai envie de choisir parce que ça fait un moment que j'ai pas choisi avec tous les trucs à faire au hasard là. Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire? Oh, un génie de la musique, tiens, pourquoi pas? Kleptomane, machin. Pff, ouais, c'est chiant ça. Aime la musique, soignée, sûre d'elle, folle, créative. Oh, on va la mettre froide. C'est un nouveau trait avec vie citadine. Oh non, t'es pas belle, ma cocotte, hein. On va te relooker tout de suite. Du coup, je vais la faire. Bah, je vais la faire. Je vais la relooker. On va la relooker tout de suite. Donc, modifier l'apparence. Et du coup, voyons voir un peu. Du coup, on pourrait très bien virer cette chambre-là. Les jumeaux, je les ai foutus où? Je sais plus. Je les ai foutus là, je crois. Ouais, donc on va faire un petit peu de construction hein, dans ce let's play parce que c'est vrai que j'en ai jamais fait encore avec vous. Donc ça va changer. J'espère que vous aimerez bien. Alors. Non, bah remets le lit. Par contre, moi je veux celui-là, il est plus joli. Hop, on va mettre la cheminée. S'il vous plaît. On ne va pas mettre la cheminée. Oh là là. Donc, il y a des trucs qui gênent. Ah bah oui. Et cette foutue lampe là. Les petites fleurs ici. La cheminée à Ted. Mais ta maman le string. On va y arriver les gars, hein, vous inquiétez pas. Bon, quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça ne veut pas? Et vous savez quoi? Ça va pas me faire chier longtemps. Voilà. Donc. Juste la concentration. Concentration. Oui. Et ici, ben en soi, je sais pas trop ce qu'on pourra mettre. Hein. On verra bien. Au pire, on va laisser ça. On va laisser ça. Hop, le petit miroir. Et les fleurs ici. Voilà. Hop. Bah voilà. C'est très bien comme ça. Qu'ils avaient une pièce vide, mais bah c'est pas grave, hein. Par contre, du coup, oui, je préfère les autres rideaux. Voilà, il y en a un qui est plus bas que l'autre, tout va bien. Hop, et voilà. Donc c'est bon, du coup on va passer à le rouloukage de mademoiselle. Oh, quelle horreur. J'ai envie de la faire jolie. Tiens, je vais lui faire les cheveux roses. Mais pas rose pétant, en rose pâle, là, ça va être beau. Enfin, on va essayer, ça se trouve ça lui ira pas du tout. Mais en tout cas, elle est super jolie, je trouve. Qu'après tout, sa maman se fait des teintures, alors pourquoi ne pas s'en faire elle-même, hein? Alors, non, cette coiffure, ça va pas du tout.
Voyons voir un petit peu sa tête. Oula, elle est bizarre. On reconnaît bien dans le menton Ginette, hein. Ouais. Bon, pourquoi pas? Elle est très bizarre. Oh putain. Ok, donc déjà pour commencer, on va faire ça, hein. Ne mets plus rien. Là. Oh, quelle horreur. Ne mets plus rien. Ici. Oh, ça va encore. Ouais, on va lui laisser. Putain, elle est toute mince. Oh, comment elle est mince. Regardez ça, la pe... Oh, ce cul! Mais elle a pas de hanche, hein. Oh, mais elle a des nichons de barge! Je suis choquée. Je suis choquée, les gars. J'ai jamais vu des si gros boobs, là. Oui, alors non. Déjà, t'as des seins de malade mental. Alors, on va pas en plus te mettre un truc qui dit... regarde, regarde mes boobs, hein, je pense qu'on les voit assez comme ça. Oh, quelle horreur. Elle est pas très bien proportionnée, hein. C'est pas un modèle de... JPP, là. Mais JPP. Oh, une capeline, c'est mignon. C'est vrai que j'en mets jamais, j'aime bien. On ne tient pas tous les kits. Et ben, on va refaire la coiffure. Parce que voilà, c'est jardin romantique. Et l'ancien, je te. Voilà, on dira rien. Donc c'est bon, j'ai fait le montage, il nous reste encore un peu de temps ensemble. Alors, bah si tout le monde va bien, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Tout le monde va bien? Ah oui, alors, toi ce serait pas mal, attendez parce que c'est le bordel, c'est mon bureau, j'arrête pas de prendre des notes dans tous les coins, parce que juste parce que je kiffe écrire, donc j'écris en fait sur un calepin, c'est passionnant ma vie, et donc j'en ai partout, voilà. Alors du coup, et si on allait lui faire draguer du mal? Donc la voici. Ah, donc là elle est en pyjama. Elle est quand même mignonne, hein. Ça va. On aurait pu avoir pire. Bon, à part sa carrure, ma chérie, tu es un V. Voilà. Il fallait que je la fasse. Alors, atteindre le niveau 2 dans une compétence. Eh ben, on va lui apprendre à chanter. Voilà, donc chante. Toi, quand tu auras fini, Kian ira sur le PC. Et puis les gosses, bah, ils vont jouer tous les deux, tiens. Alors, jouons ensemble. Ah, mais du coup, j'espère que elle va pas jouer. Elle est où? Putain, je bug. Non, on va pas jouer. Voilà, jouer tous les deux. Tu me dis quand t'as fini, Gertrude. Alors, un truc. Attends. Kian. Ma petite poulette, pendant que t'es là, est-ce que tu peux aller voir quand est-ce qu'il y aura un festival? Parce que moi j'aimerais bien y aller. Où c'est que c'est le panneau d'affichage là? Alors, laisser un mot positif. Ah non, lire le mot d'abord. Et laisser un mot positif. Mais donc il n'y a pas de festival, on est quel jour? Mardi. Ah oh, zut, je crois que c'est trop tard pour le festival. Attendez. N'oubliez pas de payer votre loyer. D'ailleurs, j'ai même pas regardé ce qu'elle avait fait en relation.
Ginette Dawn, ouais. Et toi? Kea Nancy, ouais, c'est bon. Mais je sais pas ce qu'elle a fait, Lancia. Alors, il disait quoi? Détendez-vous, prenez les choses une par une. Une par une. Pardon. Du coup. Bon, bah, il n'y a pas de festival, c'est très, 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 très dommage. Bah, écoute, va t'asseoir là, tiens. Non, pas modifier l'apparence, n'importe quoi. Se refaire une beauté. Alors. Est-ce que c'est bon? Ah, c'est bon. Bah, toi alors, va te. Entraîne-toi à danser, tiens. Et Kéane, tu vas t'occuper de tes abonnés. Alors, mets à jour ton statut. Voilà, y a que ça à faire quand on est au stade 1. Troy, l'autre qui chante comme une casserole. Oh, c'est horrible. Non mais écoutez ce talent. C'est horrible. Quelle horreur. Ah, c'est bon. Alors, du coup. Du coup, elle aura-t-il une promotion la prochaine fois? Bon. Tu vas aller préparer à manger pour tout ce petit monde. L'ancien m'a demandé d'acheter des feux d'artifice, sauf que je crois pas qu'on puisse en acheter. Je vais aller voir. Déjà, faut que je retrouve où est le sol. Ah, il est là. Est-ce qu'il y a des boutiques? Oui. Ça doit être des boutiques de. Oh, pardon. Ça doit être des boutiques de bouffe, ça, donc on s'en fout. On est dans le quartier riche, s'il vous plaît. C'est très très chiant. Les feux d'artifice, je crois qu'il faut que aller au festival de Frasque et Humour et il n'y a pas de festival pour le moment. Donc, excuse-moi, Lancia, mais. Bah, je peux pas. Je peux pas la faire. Oh putain, elle est surdouée du couteau, hein. Oh! Ouin! Mais elle est sérieuse? La folle dingue! Oh my god! T'arrives! Ah oui, c'est parce que c'est l'attrait cuisine du chef, je crois. Allez, appel à table, comme ça tout le monde vient manger. Sauf les deux gros cons. Plus de respect. Bah ça n'a pas du tout marché. Hop, et vous discutez en famille. Oh, ce petit pognon, tout ça. Hein. Oh. Ah, ça mérite une petite photo. Bon, je la remets pas enceinte, hein, parce que ça m'a grave saoulé tous les gosses là. Je la remets pas enceinte tout de suite, ni même plus tard. Je pense que si on a d'autres bébés, ce sera Lancia qui les fera, parce que là, moi, ça m'a grave saoulé. Oh, ils sont tellement mignons. Oh, kawaii. Aïe, aïe, aïe. Du coup, Gigi, tu fais la vaisselle? Bah ouais, fais la vaisselle. Est-ce que tu peux juste changer, peut-être? Parce que bon. Oh, mais toi, comme ça, t'as l'air trop bombasse, là. Ouais. Ça, c'est sans ces extensions. J'ai pépé de moi. Alors, viens ici. Le petit, viens ici. Je veux que vous parliez tous ensemble. Déjà, elle va se dire, c'est qui celle-là? Elle va rien comprendre, la pauvre Lancia. Mais allez, dépêche-toi, bon. Alors, Gigi, n'importe quoi. Kéane, tu vas décrire une nouvelle idée. Tu vas lui donner une leçon profitable. À elle, tu vous es. Non, bah non, faut se lever. Attends. Non, en fait, j'ai envie de finir l'épisode où ils sont tous à table, en train de discuter. Tout ça. Je trouve ça trop mignon, moi.
Alors, tu vas Nia. Toi, blague perso. Plaisanter sur les machins bizarres. Toi, je sais pas pourquoi je chante ça, je suis désolée. J'ai un peu la tête dans les fesses puisque je dors très mal en ce moment et c'est très chiant. Très 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 chiant. Allez, on y est presque. Hop, et la petite, tu vas plaisanter sur les éléphants. Et voilà. Voilà, donc ils discutent tous. Je pense que du coup, je peux arrêter l'épisode ici. J'espère que ça vous aura plu. Vous retrouverez l'épisode prochain sur la chaîne d'Elantia. Elle est en description si jamais vous ne connaissez pas. Sinon, il y a une playlist, donc voilà. Je vous fais plein de bisous et salut!